on se retrouve à présent pour les maths. Et on continue un petit peu notre travail sur les nombres jusqu'à 39. Alors, je vous ai dessiné au tableau. Mince, je me suis trompée de couleur. Je vous ai dessiné au tableau le score de deux équipes. Le score de l'équipe A. Voilà les points qu'a marqué l'équipe A. Ouais. Et voilà l'équipe A. Et voilà les points qu'a marqué l'équipe B. Ok ? Le but de l'exercice, c'est de savoir quelle équipe a marqué le plus de points. Alors, vous avez vu que les points, ils sont éparpillés comme ça sur mon tableau. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est une question normalement à laquelle vous savez répondre, parce que c'est des petites choses qu'on a déjà fait beaucoup à l'école, en classe, ensemble. Quand il y a beaucoup de points comme ça et qu'on veut savoir combien il y en a, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr du nombre, pour ne pas se tromper ? On peut faire des paquets de 10. D'accord ? Alors, je ne vais pas vous demander de le faire chez vous à la maison parce que c'est un petit peu trop compliqué, mais on peut essayer de le faire ensemble sur la vidéo. Alors, pour faire des paquets de 10, vous vous rappelez, on avait dit qu'il serait peut-être bien de faire quelque chose pour ne pas se tromper, pour ne pas oublier de points, pour ne pas oublier d'objets. On avait dit qu'on pouvait faire un petit repère à côté quand on l'a compté. 1 ou à l'intérieur, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'en ai compté 10. Une fois que j'en ai compté 10, qu'est-ce que je vais faire pour savoir qu'il y en a 10? Je vais les entourer, les 10 points. Alors là, j'ai déjà 10 points. Je continue. Est-ce que je peux encore faire 10 points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà que j'ai encore un paquet de 10. Ok? Maintenant, regardez ce qu'il me reste. Il reste 3 points. Est-ce que je peux faire un paquet de 10 avec ces 3 points? Non. Alors, je les laisse. Alors, regardez combien est-ce que j'ai entouré de paquets de 10. J'ai entouré 2 paquets de 10. On peut aussi dire, on peut dire paquet de 10, on peut aussi dire dizaine. Alors, l'équipe A, elle a déjà 2 dizaines. Ok ? Et combien lui reste-t-il de points que je n'ai pas pu mettre dans une dizaine ? Il en reste 3. On dit qu'il reste 3 unités. Voilà le score de l'équipe A. L'équipe A a 2 dizaines et 3 points et 3 unités. Ce nombre, comment on le lit ? 23. On peut vérifier. 10, 20, 21, 22, 23. Ok ? Maintenant, on va faire la même chose avec l'équipe B. On va aussi faire des paquets de 10. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà un premier paquet de 10. Ok ? On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà un deuxième paquet de 10. Ok, et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà un troisième paquet de 10. Alors, qu'est-ce qu'on remarque déjà? On remarque que dans l'équipe B, il y a une dizaine de plus. Vous vous rappelez, tout à l'heure, dans l'équipe A, il n'y avait que 2 dizaines. Tandis que dans l'équipe B, il y a déjà 3 dizaines. Et regardez les unités qu'il reste qu'on ne peut pas ranger dans une dizaine supplémentaire. C'est 2 unités. Alors maintenant, comment lit-on ce nombre-là? 10, 20, 30, 31, 32. Alors, quelle est l'équipe qui a marqué le plus de points? Maintenant qu'on a tout ça, qu'on voit tout ça, sur le tableau. Quelle est l'équipe qui a marqué le plus de points? C'est l'équipe B. Pourquoi est-ce que c'est l'équipe... À quoi est-ce qu'on voit que c'est l'équipe B qui a marqué le plus de points? Parce qu'elle a une dizaine de plus. Et on le voit ici, regardez, il n'y a que 2 dizaines. 2 dizaines, c'est plus petit que 3 dizaines. D'accord? Donc,
Pour trouver le nombre le plus grand, on a regardé le nombre de dizaines. D'accord? Alors, je vais effacer ça. Et je vais écrire deux nombres au tableau. Alors, on peut lire ces nombres. Je vais chercher mon fichier. Alors, le premier nombre, c'est 28. Ouais. Et le deuxième nombre, c'est 17. Ok. Alors, lequel de ces nombres est le plus grand? Et pourquoi? Alors, quel est le nombre le plus grand? C'est le nombre 28. Pourquoi c'est le nombre 28 le plus grand? À quoi est-ce qu'on le voit? On a dit tout à l'heure, on regarde quoi en premier? Les dizaines ou les unités? On regarde les dizaines. Alors, dans 28, il y a combien de dizaines? Deux dizaines. Et dans 17, il y en a combien? Il n'y en a que une. Donc, c'est bien 28, le plus grand des deux nombres. OK? On en fait un autre. Voilà le premier nombre. On le lit. 26. Et le deuxième nombre? Attention, c'est la famille 10, 20, 30. C'est la famille des 30. 31. Alors, quel est le nombre le plus grand? Quel est le nombre qui a le plus de dizaines? C'est 31 qui a le plus de dizaines, puisqu'il en a 3. Et le premier n'en a que 2. Donc, c'est 31, le plus grand des deux nombres. Je continue. Voilà le premier nombre, on le lit, 14, et le deuxième nombre, 34. Alors, lequel des deux nombres est le plus grand et pourquoi? Alors, c'est le nombre 34 qui est le plus grand, parce qu'il a 3 dizaines, alors que le premier n'en a que une seule. OK? Et enfin, le dernier exemple. On lit le premier nombre. 39. Et le deuxième nombre, 20. Alors, lequel de ces deux nombres est le plus grand et pourquoi? C'est bien 39, parce qu'il a 3 dizaines. Alors, on répète juste ce qu'on a appris pour trouver lequel des deux ou de plusieurs nombres est le plus grand. Il faut d'abord regarder le nombre de dizaines. On regarde d'abord le nombre de dizaines. D'accord? Alors, pour aujourd'hui, à la maison dans votre fichier, pour ceux qui ont le fichier, vous pouvez faire l'exercice 1 de la page 68 ce matin. D'accord? Alors, c'est ultra rapide. Et ceux qui n'ont pas le fichier, de toute façon, vous aurez la pièce jointe dans le mail. Il suffira juste d'écrire sur une feuille les nombres et votre enfant doit entourer à chaque fois le plus grand. D'accord? Ça, ce sera pour cet après-midi. Et puis cet après-midi, on continuera le travail. Voilà!